Bonjour, Steve Chenel, 34 ans, coureur cycliste, spécialiste du cyclocross et je suis également consultant à la télévision. Donc à l'âge de 6 ans, diagnostiqué hyperactif, pas le choix, il faut se défouler. En l'occurrence ici, ce sera le vélo. J'ai 10 ans, Dominique Arnoux est champion du monde de cyclocross. Je lui fais signer un autographe sur un vulgaire bout de papier. Il me touche la tête et à ce moment-là, c'est lui, c'est mon idole. Je suis son fan numéro 1. Je veux être un pur cyclocrossman. Et c'est ce jour-là que j'ai switché. Sa carrière, ses titres, c'est ça que je veux devenir. Le 14 janvier 2018, je deviens champion de France. T'es promis, il l'a fait. Pour la première fois, Steve Chenel devient champion de France. Qui dit sport de haut niveau dit forcément émotion, médaille, podium, marseillaise, toutes ces choses que seul le sport peut te procurer. Il n'y croit pas, Steve Chenel. Champion de France de cyclocross, c'est fait. En réalité, on n'a rien sans rien, que ce soit un sportif, un musicien, un chef d'entreprise. Il y a un objectif dans la vie, c'est d'aller réaliser justement ce rêve qu'on a. Moi, je connais personne dans la vie qui m'a dit « Ah, c'était facile !» Ah, Steve, il n'y croit pas. Là, je peux vous dire qu'il est en train de passer par des émotions incroyables. Donc moi, le conseil que je donne, c'est d'avoir un rêve, un but, de ne se fixer aucune limite. Pourquoi s'en fixer? Mais par contre, de se lever chaque matin avec l'envie d'y arriver. Encore une fois, le travail paye.